Eh bien, bonjour à tous. Je vais vous souhaiter une excellente année 2017 à tous les auditeurs, téléspectateurs d'Entreprendre TV. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Entrepreneurs, euh, créateurs d'entreprises, chefs d'entreprise, cadres dirigeants, jeunes diplômés, salariés. Vous avez compris que le destin de votre vie professionnelle passait par une application par une autonomie par une capacité à travailler ensemble par le désir aussi de prendre des risques et de, de les assumer. Je vous souhaite bien évidemment en 2017 de mettre à profit vos idées. N'oubliez pas que seuls ceux qui osent réussissent. N'oubliez pas de travailler avec vos équipes, n'oubliez pas de vous remettre en question. Le, le système français a beaucoup d'inconvénients, mais il a aussi des avantages. Ne l'oubliez pas, nous sommes un pays qui est, euh, qui est doté d'infrastructures intéressantes, où il y a des, un réseau bancaire, même s'il dysfonctionne parfois, où il y a euh, beaucoup de personnalité de personnes intéressantes sur le marché de l'emploi. Il y a, a aujourd'hui euh, énormément de possibilités à ce niveau-là, même si euh, le code du travail reste effectivement à, à retoiletter. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter euh, à notre pays ben, Plein de choses, parce que c'est vrai que euh, même si nous avons des savoir-faire et nous avons euh, des talents et beaucoup de choses qui marchent et fonctionnent en France, euh, on a pris du retard sur... Euh, nos différents systèmes euh, étatiques. Euh, L'État n'est pas très bien géré, c'est un euphémisme. Il faut revoir le code du travail, il faut le simplifier, il faut doubler les seuils pour permettre aux PME de recruter. Il faut euh, un petit peu décompresser, libérer au niveau des, des charges sociales et euh, libérer également nos entrepreneurs au niveau fiscal. Il faut supprimer l'ISF. Euh, il faut absolument que euh, la France redevienne un pays attractif pour les investisseurs, car nous avons en France euh, des nombreux entrepreneurs et de nombreux projets intéressants. Regardez le, les succès de la French Tech euh, à Las Vegas en ce moment. Donc, euh, notre pays a énormément d'atouts. Il a une image de marque très forte. Il a euh, des savoir-faire importants, mais euh, il faut se battre. Il faut. Il faut agir, il faut que notre système politique, qu'il soit de gauche ou de droite, aujourd'hui se remette dans le sens de la marche et libère et simplifie. Euh, on a la loi pénibilité qui est inapplicable, il faut véritablement euh, aujourd'hui mettre l'administration au service des Français et non pas l'inverse. Il faut simplifier les différents règlements, il faut baisser les charges sociales, il faut baisser le... La fiscalité, euh, il faut moins de fonctionnaires, il faut que les fonctionnaires soient plus efficaces et plus au service des gens. Bref, il y a beaucoup de choses à faire en France. En tout cas, ce que je voudrais dire euh, à tous, nos, tous ceux qui nous suivent, c'est qu'il faut croire en vous, il faut aller vite, car n'oubliez pas que le temps, c'est de l'argent. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses à faire en France. Ce n'est pas la peine de s'exiler. Un seul, une seule idée, vendez du Made in France et exportez-le. Il y a énormément de pays qui attendent le Made in France aujourd'hui. Soyez heureux, soyez compétitifs, soyez actifs, soyez entreprenants. C'est tous les souhaits que je peux formuler pour vous en 2017, car la vie ne se passe qu'une fois.